a des gens qui parlent, qui se prennent pour des rois. Les ignorants sont à l'écoute puisqu'ils sont leurs proies. Toi qui écoutes tous ces mots, n'as-tu jamais remarqué ces gens qui parlent et reparlent, usés, fatigués? Ils ont tellement de choses à dire et tellement peu à faire qu'on croirait qu'ils sont les acteurs d'un film par trop amer. Ou qu'ils aillent droit du noir, ils sont désespérés. Mon pauvre ami, si tu crois que pour toi je vais pleurer, tu te trompes énormément, tu te vantes. Je trouve pas ça marrant. Et tu en ris, tu vis ta vie de cinéma de pitre. Et tu te crois supérieur, puis-je savoir à quel titre? Je voudrais pas savoir à te dire qu'on est tous les mêmes, mais quand même. Et c'est tous les jours pareil. Il s'en prend plein la tronche, plein les yeux, plein les oreilles. Il fait le plein et joue le plein, paquet de chair et d'os. Amères sont les journées qu'il passe parce qu'il faut bien qu'il bosse. Il passe son temps à râler, il passe son temps à compter l'argent qu'on lui rend, qu'il ne devient jamais trop de monnaie. Il y a déjà pas mal de temps qu'il ne va plus à l'école, mais ça fait surtout un moment qu'il délire, qu'il picole. C'est au café de son coin qu'il parle ou bien qu'il rote. Une réunion, c'est ma tournée, il crie, il rince les potes. Il n'aime pas trop les couleurs, surtout pas celles des autres. Ignorant, et c'est même pas de sa faute, mais quand même. Mais quand même. À la chance de l'emploi, à côté de chez moi, ça pointe le manque de thunes, c'est tous les mois, je ne comprends pas, ne m'explique pas, vous comprenez pourquoi, moi je ne comprends pas. Quelque part j'ai honte, on nous parle, on nous compte, on nous dit même comment pour faire, c'est gentil, on nous montre le bon chemin, ah bon, le mien ça va, merci. Vous ne l'appréciez pas? Tant pis, j'ai pris un micro pour rappeler, c'est pas pour faire des torts. Mais là ça va, c'est trop, ça fait parfois trop fort. Les abrutis sont comptés, emballés, pesés, numérotés, police, contrôle. Vous avez vos papiers, pour quelle raison? C'est con, mais bon, mes mots sont du papier. Si vous voulez l'immatriculation, il faut que je le teste. Mais je ne suis pas à l'aise, j'ai quand même le droit de parler de tous vos préjugés. Mais quand même. Mais quand même. Ils sont toute une famille, frères, frangins, cousines. Ils ont une drôle d'expression, un visage qui se domine. Un cousin toujours malade, vaudrait sur son lit. Une sœur qui pleure, complexée, pas jolie. Un père, une mère, ne sachant que faire, préférant se taire, maudissant l'ordinaire. Lui, il a fait la guerre, elle a fait des enfants. Ils ne les comprennent pas, ils sont déjà si grands. Et puis parmi eux, il fait tout ce qu'il peut. Je parle du fils musicien, il s'accroche, il en veut. L'école ne le connaît plus, vie active, chômeur. Mais quand il chante, il fait vibrer les cœurs. Car Dieu lui a donné ce ton, amplifié le son. Ses cordes sont plus que vocales, elles sont en lui frissons. Il s'imagine la classe en limousine, un bureau des admirateurs, il en magazine. Car il rêve, le rôle de star lui plairait. Il en crève, refuse de voir le vrai. Sa réalité à lui, ses frères et sœurs, ses cris, la zone d'ennui, la parano tout autour de lui. Combien sont-ils assis, acclamer leur talent? Un besoin de tu sais quoi, et bien besoin d'argent. S'il en avait, il partirait, il irait loin, tu sais. Seulement voilà, pas d'oseille, il en est pour ses frères. Mais quand même. Mais quand même. The breakdown.